Six jours après le lancement officiel des cours sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, les étudiants n'ont toujours pas repris le chemin de l'université dans les établissements publics de la ville de Mwene-Ditou. Les enseignants conditionnent la reprise des cours par l'amélioration des conditions de travail. Les auditoires sont fermés et pas d'étudiants sur les sites universitaires. C'est par exemple à l'Institut supérieur pédagogique de Mwene-Ditou où notre correspondant s'y était rendu, Sylvain Fizé-Mokadi, pour ce reportage. Oui, exactement. Les cours n'ont pas encore commencé dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire public de la ville ferroviaire de Mwene-Ditou. Est-ce que parce que nous sommes à la première semaine de la rentrée ou bien parce que les SINACAS, qui est un syndicat des assistants et chefs de travaux, a décrété une grève sèche? Ce sont là les questions que beaucoup se posent. Mais tout porte à croire que c'est cette grève décrétée par ce syndicat qui exige l'amélioration des conditions de travail des assistants et chefs des travaux qui est à la base de cette situation qu'on est en train d'observer en ce net moment dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la ville ferroviaire de Mwene-Ditou. D'ailleurs, les images en témoignent. Présentement, je suis sur les sites universitaires de l'Institut supérieur pédagogique ISP Mwene-Ditou. Vous-même, vous êtes en train de voir à travers ces images, les auditoires sont quasiment fermés, il n'y a pas d'étudiants sur place sur le site, la cour ou bien le site est donc insalubre, il y a le brousse depuis la fermeture, il semblerait que personne n'a jamais piétiné ici, vous le constatez. Mais sur place, nous avons trouvé un représentant des étudiants, il est aussi venu faire les constats. Je suis André Kamoudia, représentant adjoint des étudiants de l'ISP Mwene-Ditou. L'ISP Mwene-Ditou, localement, nous avons lancé l'ouverture de cette année académique en date du 7 janvier. Grave est notre surprise de constater que dans les sites, depuis que nous avons arrêté les activités de l'année académique passée, personne n'a foulé les pieds, vous remarquez vous-même, les portes sont toujours cadenassées. De toutes les façons, d'ailleurs, c'est depuis l'année passée qu'ils ont commencé à se plaindre sur cette situation de prise en charge. Et moi, en tant que représentant des étudiants, je vois que c'est un problème aussi majeur sur la vie étudiantine congolaise. Parce que lorsque les enseignants ne sont pas très bien pris en charge, et ça retombe sur les étudiants. Nous-mêmes, nous avons soutenu moralement la grève. Mais alors, avec cette grève-là, c'est aussi une occasion à notre pays, et surtout à ceux qui sont gouvernants aujourd'hui, de se baser sur ces revendications-là et qu'ils répondent même progressivement. Vous avez écouté le vice-président de la coordination étudiantine de l'ISP Mwene-Ditou. La situation reste déplorable depuis que le syndicat a déclenché la grève. Il n'y a pas de cours. Les étudiants ne sont pas sur les sites, les enseignants également. Et bien sur les différents sites, ici nous sommes à l'ISP, il y a deux brousses qui ont poussé partout là.